partie de la jungle de Calais s'est embrasée cette nuit. Bonjour Lionel Gougelot. Ouais, bonjour Céline. Vous êtes en direct de Calais pour Europe 1. De nombreux départs de feu ont été constatés. Hein. Oui, effectivement, et ces premiers incendies ont été déclenchés vers minuit et demi, peut-être une trentaine des départs de feu dans différents endroits en fait, hein, du camp, et notamment dans le secteur, vous savez, de ces petits commerces ou des cafés qui avaient été tenus tout au long de ces dernières semaines par des réfugiés, des cafés et des commerces où des bonbonnes de gaz ont explosé. Alors la préfecture indique ce matin qu'un migrant a été légèrement blessé, mais que ces incendies ont été assez rapidement maîtrisés dans le courant de la nuit par les pompiers qui avaient été positionnés aux abords du camp. Des feux vraisemblablement allumés par dépit par les migrants eux-mêmes qui savent que pour eux, eh bien, la jungle c'est fini, ou peut-être aussi par des migrants qui veulent protester et perturber le démantèlement, comme ces deux réfugiés afghans qui observaient hier les destructions de cabanes. On ne peut pas vivre ici, on veut aller en Angleterre parce que cet endroit n'est pas bon pour nous. Les Français ne nous soutiennent pas. On va trouver un autre endroit pour dormir. Quand la jungle sera détruite, on dormira dans la rue. 2000 personnes ont l'intention de rester là. La police ne peut pas contrôler 2000 personnes. Alors forcément, ces incendies, avec les risques qu'ils comportent, devraient inciter les autorités à poursuivre, voire même accélérer les opérations d'évacuation des derniers migrants de la jungle et de démantèlement des cabanes. Lionel Gougelot, en direct de Calais pour Europe 1. Médecins sans frontières a par ailleurs dénoncé une sélection au faciès concernant l'orientation des mineurs. L'association va se retirer de la zone. France Terre d'Asile dénonce, elle, une polémique qui n'a pas lieu d'être. Europe 1, 7h30.